Salut à tous, c'est Béné, on se retrouve pour le quatrième épisode de The Witcher 3 Wild Hunt. Donc la dernière fois on s'était arrêté, on avait cherché un griffon, d'ailleurs on l'avait trouvé. Donc ce qu'on va faire, avant d'aller voir Vézémir, avant de tuer le griffon, on va faire les quêtes secondaires. Donc on va faire celle-là, on va voir ce que c'est. On va d'abord faire les quêtes secondaires. Pour améliorer un peu notre niveau parce que le griffon peut être difficile à battre. On va appeler le cheval Ablette. Donc voilà, avant on va s'entraîner un peu sur des petites missions, des petites quêtes plus vite. avant de pouvoir battre ce griffon. Allez, c'est parti. C'est vrai que les femmes divorcent. Trouver d'une ville d'Anvers, ville d'Anvers. Particulier ça. Oui, c'est le soldat qui a disparu, il me semble. Donc, on va voir. Oh, il fait un peu sombre ici. Hein. Il fait un peu sombre. Alors, tour à gauche. Ah, là, j'ai loupé le pont. Oh, vous voyez, il y a l'endurance du cheval. L'endurance est assez longue, donc c'est bien. Alors. Il est là. Ah, monsieur. Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien, maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis... Je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang, moi. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, oui. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées là, ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi, tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien et je vous paierai bien. Allez, c'est parti. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces, très minces. Sans blague, mais je tiens à retrouver son corps au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ces foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Allez, donc on va aller le retrouver sur la colline. C'est à 200 mètres. Bon, il y a la pièce à côté, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Donc il va falloir retrouver un soldat qui est sûrement mort. Qui est sûrement mort lors de la guerre entre les Nilfgaardiens et les Téméréens, comme on disait. Ouais, Nilfgaard a pris l'avantage à Blanchefleur. Donc après on verra un peu la suite de la guerre. Mais bon, nous ça ne nous regarde pas trop ça. Nous on est plus à trouver des contrats, faire de l'argent. Ah là ça nie de monstres. Je vais m'en débarrasser. Non, pour l'instant on peut pas parce qu'il faut des bombes spéciaux. Donc pour l'instant on peut pas. On le fera plus tard. Alors. C'est où? Voilà, c'est ici. Il est où? Il est parti où lui? Il y a tant de cadavres. Et la guerre ne fait que commencer. Ben il est où? Il est pas arrivé encore? Ben il est où ce... Ah il est là. Eh ben putain. Eh ben. J'ai failli t'attendre. On papotera quand on sera arrivé. Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu. Pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier.
surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Ouais, c'est parti. Falloir chercher des boucliers. Par contre, il va falloir faire attention, il doit y avoir des ghouls. Voilà. Là. Il est où ? Ben, il est où ? Il est où ? Ben, il est là. Ça, c'est un peu... Ça, ce genre de monstres, en fait, qui viennent toujours après des... Après des grosses guerres, ou... C'est un peu des... Des monstres... Comment on appelle ça ? Un peu des cannibales qui viennent manger un peu après les guerres. Alors un bouclier, non, on s'en fout. Oh, c'est qu'il y a des boucliers. Ah voilà, là il y a un truc. C'est lui ? Non, ça lui ressemble pas du tout. Ah, on va continuer. Un. Allez. La peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais... Est-ce que ça pourrait être lui ? Je... Bastien était costaud, large d'épaule. Celui-ci paraît plus fluet, mais... C'est peut-être dû au feu. On va continuer... C'est lui ? Non. C'est le fils d'un voisin. Eh ouais, la guerre. Il l'a trouvé ! Il s'arrête sur ah. Alors attends, on va se débarrasser de ça. Ah, c'est pas... Voilà, il a trouvé. Alors, il est où, le chien ? Il est parti où ? Ah, il est là-bas. Alors, on va le suivre. Il est là-bas. Ah, maison. Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait, c'était... Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chier tous, c'est un ordre. Tu te rends compte, l'abruti. Ah, arrête, tu me tues. Rire me fait mal aux côtes. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien ? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé ? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc. Puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Ils le pendront. Et s'ils découvrent qu'on le cache, on sera tous pendus. Malige avec. Non, le Nilfgaardien reste ici. Ah, sans lui, il serait mort. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Prouvez-lui donc que les Nordiens ne sont pas tous aussi barbares que l'affirme l'Empire. Ma foi, on peut lui filer des habits du père, lui apprendre à travailler au champ, mais pour l'accent... Bon, entendu. Ramenons-le avec nous. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Et ben voilà. Et finalement, il était vivant. Bon, un peu dans un sale état, mais bon, finalement, il est vivant. Donc, c'est une bonne chose pour lui. Tout est bien qui finit bien. Bon, on va appeler Ablette. Il est où Ablette ? Elle est ici. Donc, ce qu'on va faire... On va faire une autre quête. Climat incendiaire. Donc allez, ouais, ça sera un peu de la secondaire aujourd'hui. Même si je pense qu'on va pouvoir continuer la quête principale. Mais on va d'abord faire ces deux quêtes. Histoire de gagner un peu en niveau. Pour pouvoir affronter le griffon. Parce que le griffon, ça sera pas facile, je pense. Donc ouais, il va falloir gagner un peu de niveau. Je crois qu'on est au niveau 2. On gagnera peut-être pas de niveau, mais on va s'améliorer. Ah, il a sorti l'épée.
Qu'est-ce qu'il fait? Encore plus, encore. Ouh là là, le gosse. Ouh là là, le gosse. Heureusement que c'est pas réel, parce que là, je l'aurais piétiné. Je l'aurais piétiné. Allez. Oh, c'est plus loin là-bas. On va aller voir ce nain. On se rappelle que ce nain avait eu sa maison brûlée. Alors, pour lui, c'est des villageois, donc on va voir. Il va falloir utiliser nos sens pour pouvoir le retrouver. Donc, je pense pas que ça soit très difficile. Ouf. J'ai plus l'habitude de contrôler le cheval. Donc, on va voir si on arrive à le retrouver. Les rois se battent, c'est les paysans. Oh, il y a un marchand là. Alors, avant, ce qu'on va faire. Il y a un marchand là. Ah oui, c'est celui qu'on a sauvé lui, non? Du griffon. On se retrouve. Ah oui, c'est lui. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Ah bah heureusement. Heureusement que c'est moitié prix. Voyons ce que vous avez en magasin. Mort. Alors. Ah là, il y a... Ouais, y a décoction de griffon. Ça, c'est important. Ça, faut le prendre. Mais sinon, il a rien de particulier d'intéressant. Ah oui, il va falloir que je change l'épée. On va la mettre parce qu'elle a l'air d'être un peu plus puissante. Par contre, au niveau des marchands aussi, ce qu'on va acheter, ce qu'on va ramasser. Alors par exemple, tout ce qui est armes, les forgerons leur achèteront plus cher que des commerçants comme ça. Il faut toujours essayer de vendre ses armes. Bon là, je ne l'ai pas fait. Mais il faut toujours essayer de vendre ses armes ou ses boucliers à des forgerons. Et tout ce qui est... Tout ce qui est consommable et tout, si vous voulez les vendre, faut plus les vendre à des marchands qu'à des forgerons, par exemple. C'est un truc du jeu. Chacun a son prix. Ils sont pas tous le même prix, ils rachètent pas tous le même prix. C'est plutôt bien, je trouve. Il y avait un truc, non? Lire. Produit recherché, un achat. Ok. Ok, donc allez, on va aller chercher ce fameux mec ou femme qui a brûlé la taverne, la tanière du nain. Donc alors, ah là, il y a un truc rouge. Trace de bottes, un homme grand. Alors on va suivre. Ça pue la pisse. Et la vodka. Ah, il vient de loin. Hein. Il vient de loin. Oh, il est ouf. Là. Ah, là, il y a un ruisseau. Donc ça va s'arrêter, je suppose. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Alors les traces de pas vont dans cette direction, donc on va traverser le pont. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Il n'y a rien. Ah, ouais, là-bas. Là-bas, il y a quelque chose. Ah, j'arrive pas à le sélectionner. Quelque chose a jailli des fourrés. Des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il y a des bottes. Oh, vous voyez? Là, ça c'est des noyeurs. C'est souvent à côté de ruisseaux comme ça. Ça peut être très pénible. Ils sont niveau 4. Alors, ce que je vais faire... Ouais, je vais...
pénible à battre des fois. Oh là là. Oh. Bah attendez, je lui ai sauvé la vie. Mais vous êtes pas bien, vous. J'ai sauvé la vie. Je risque de l'aider. Je lui sens pas bien. J'ai sauvé la vie, il est pas content en plus. La prochaine fois, je te laisserai mourir. Léger. Blessure superficielle. On va soigner un peu parce que là on a pris cher. Pauvre sale et pur. Ah, je peux. La piste retourne au village. Allez. Ah, la maison. La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plein. Que des petits. Je pense pas que ce soit eux. On va ramasser un peu tout ça. C'est pas cette dame ou ce monsieur, non? C'est pourquoi? Bon. On l'a en forme. On leur vole un peu ce qu'il y a dans la maison. C'est. Hop. On a éteint le feu. Ah! Les griffures de noyeur, c'est sûrement lui. On va lui parler. Alors, petit chenapan, qu'est-ce que tu as fait? Il me plaît, tomber sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds et les nains, c'est des pires. Capable de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison. Écoute, on peut s'arranger d'homme. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu tes outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Non, tu vas assumer. Tu vas assumer tes actes. Mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Voilà, on va le contrôler. Maintenant, suis-moi. Donc allez, on va aller le ramener au nain. On va voir s'il lui met une petite déculottée. Parce qu'il le mérite bien quand même. Moi, je vais pas l'attendre parce qu'il va mettre 50 ans. On va aller directement voir Willis. Willis le nain. Allez. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Un. Là? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La poupée plaît. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Oh. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Ouais, c'est très sévère. Hein. Plutôt sévère comme châtiment. Mais mérité. Vous savez, au début je haïssais les livres gardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'il pourrait peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais, assez pari. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi, je vous ferai un prix. Ben c'est sympa. C'est sympa de me faire un prix, par contre,
C'est pas sympa ce que tu fais, parce que c'est quand même très sévère. Bon, après, ça ne regarde pas. Donc on va équiper ça. Bon, donc on va lui revendre. Moi, ça nous fait un peu d'argent. Bienvenue, fidèle client. Vos articles. Donc on va lui vendre ça. Hop. Et on va lui vendre les deux trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Des consommables, ça c'est utile. Objet de quête. Miraculeux. Ok. Objet de quête. Et ça c'est tout ce qui est pour alchimie. Ok. Donc ça c'est bon. Donc par contre ce qu'on va regarder aussi, on va regarder autre chose. Est-ce qu'il joue au Gwent? Non, il joue pas au Gwent. Adieu. On va faire attention à toutes les personnes qu'on parle. Au moins ceux qui jouent au Gwent, on va jouer contre eux. On va pouvoir leur gagner des cartes. Est-ce que je voulais faire alchimie? Oui. Alcast. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Après il y aura beaucoup d'autres choses. Voilà, il y a les ingrédients, donc voilà, il faut respecter les ingrédients, ramasser un maximum d'ingrédients ou les acheter à des commerçants, des marchands ou des comment ça s'appelle, des herboristes. Donc là, par exemple, je vais faire la potion d'hirondelle, ça c'est pratique, ça. Voilà, ça c'est très pratique. Donc je vais l'équiper. C'est dans les potions. Voilà, et cette potion là, elle y sera tout le temps, donc je pourrais l'utiliser 3 fois par combat. Et après, elle se renouvelle, mais elle se renouvelle comment? Je sais plus. Je sais plus comment elle se renouvelle. Ouais, ça dure 20 secondes. Ouais, ça, en fait, ça soigne pendant 20 secondes. Ok, donc on verra. Donc voilà, on l'aura tout le temps. Ça va tout le temps se remettre à 3 à chaque fois qu'on aura fini des combats ou au bout d'un certain temps. Et c'est très très pratique. Surtout pour là, si on combat le griffon, ça risque d'être important. Donc allez, on va continuer, on va aller voir Vesemir. Allez. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? Ben, j'ai des informations déjà. J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Et j'ai trouvé du nerf-point. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadelle. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Ben allez, moi je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. Alors, on se retrouve là-bas. Alors, juste 2 secondes. Alors, attendez, juste 2 secondes. Ah oui, désolé. Alors, on va aller voir Vesemir. Donc, désolé si je parle un peu du nez, là. Je suis enrhumé depuis plusieurs jours. Donc
excusez-moi si je mâche un peu mes mots, si je parle un peu du nez. Voilà, c'est normal. Alors, on va aller retrouver ce griffon. Un ruisseau, allez. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors on y va. Allez, c'est parti. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Ah, il est là. Il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Alors, c'est parti. Alors déjà, on va faire ça. Par contre... Ah oui. Alors comment... Alors attendez. Faut que je mette la potion d'hirondelle. Comment je fais pour le... Je sais plus. Mince, je rentre dans l'eau là. Ah oui, alors voilà. Voilà, c'est bon. Nickel. Ouais, faut que je retrouve l'habitude, un peu les boutons et tout. Parce que c'est vrai que je me souviens pas du tout. Allez, là on va pouvoir. Je vais mettre. Alors là. Voilà, utilise le signe pour le désarmer un peu. On va se soigner. Alors je suis un peu concentré, désolé si je parle pas trop. Ah, il s'en va, il a peur, ça y est, il a peur. Ça y est, il a peur. Allez. Oh, beaucoup d'autres plantes là. Hop, voilà. Allez. Il a peur. Allez, il est là. Touche à coup d'arc. Allez, presque. Il reste pas grand chose. Allez. Voilà.
C'est bon, c'est fait. Pas mal, pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Ouais. La vie est un éternel apprentissage. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre vieux. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Allez, donc on va prendre le... la récompense, le trophée pour la récompense, sinon on pourra pas prouver, donc ça c'est, on va passer. Donc allez, on va aller voir les Nilfgaardiens pour toucher la prime. Ah, il est là, elle est là, Blette, c'est parti. Elle ou il, je sais même pas si c'est un garçon ou une femelle. Faut être de ce côté, ok. Ah, attention là, parce que là c'est là où il y a un fantôme. On va éviter d'y aller. On va éviter d'y aller pour l'instant, on ira plus tard. Allez. Ah, c'est là-bas. Allez là-bas. Au galop, Ablette. Après le cheval il est facilement maniable, c'est juste moi qui ai perdu un peu l'habitude, donc il va falloir que je m'y remette. Mais après c'est pas compliqué à manier un cheval. Normalement voilà, faut que je reste appuyé sur croix. C'est vrai que j'y pense jamais, j'ai perdu l'habitude. Donc il va falloir retrouver un peu des habitudes. Allez. Voilà, on arrive. Donc ah oui, pour les potions d'hirondelles, c'est vrai, j'ai oublié. Ce qu'on fait pour ce... pour avoir nos potions, on médite, voilà, et ça, ça nous remet nos potions et ça nous soigne. C'est très très pratique. C'est vrai que c'est très 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 pratique. Allez. On va aller chercher notre prime et on va surtout voir où est Yennefer, parce que le principal sujet, c'est retrouver Yennefer, bien sûr. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide, peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire. Article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Mais c'est sévère, hein? C'est sévère, ils sont un peu... ils sont un peu fous dans cette région. Ouais. J'ai tué le griffon. J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour, maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Ouais, je prends. Je prends, je prends. Alors, il est où? Il est en train de se faire fouetter? Il est où, j'entends? C'est où qui se fait fouetter? Ouf! Il est où? Là, il est où? Je le vois pas. On entend les coups de fouet, mais je vois pas où c'est qu'il est. Non. Ben non, ben tant pis. Je voulais voir. Ben non, tant pis. Je le vois pas. À moins que je suis très aveugle, ce qui est possible aussi. Arrêtez.
Non, bon, mais tant pis, on le voit pas. Du moins, je le vois pas. C'est après, autant vous le voyez et... et moi non. Donc, allez, on va continuer. Donc, on va aller voir Vézémir à Blanchefleur. Donc, voilà, Yennefer est à Vizima. Donc, on va voir un peu ce qu'elle fait là-bas. Parce qu'elle doit pas y être pour rien à Vizima. Donc, allez, on va continuer. On va continuer à voir Vézémir. Bon, ce qu'il fait, on va le retrouver sûrement à la taverne. Donc, ah, mais je me trompe de route. Je me trompe de route. Donc, c'est vrai que c'est quand même. Faut quand même reprendre l'habitude. C'est vrai que c'est pas évident au début. Même au niveau des combats. Pour l'instant, je spam. Après, il y a plus. Y a quelques techniques quand même de contre, de parade. Bon, surtout contre des hommes. Après, contre des monstres, c'est souvent du spam. Mais c'est surtout contre des... Quand on va combattre des humains. Ça va être plus compliqué que cela en a l'air. Donc, allez, Vézémir à Blanchefleur. Donc, est-ce que j'ai des quêtes, par contre, secondaires? Parce que... Il faudrait pas que je les perde. Non, il y a ça. Le démon près du puits. Est-ce que je peux le faire après ça? Niveau 2. Niveau 2. On va aller faire cette quête démon près du puits parce que j'ai peur qu'on les perde après. Donc on va le faire. On va l'interroger au Dolan. Donc on va aller l'interroger. Bonjour l'ami, vous avez un problème avec votre puits, paraît. Oui, c'est un puits hanté depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière, mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau. De l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieux à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. Ouais, on va l'aider. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas, un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie. Ok, donc le démon près du puits. Donc on va s'arrêter là. On fera cette quête la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc si mettez un pouce bleu, même des commentaires, c'est toujours utile pour le recensement. Voilà, après, comme je vous dis, comme je vais répéter, pour les fans de FIFA, il y a des vidéos SBC, des vidéos achats revente très utiles de la part de Mika, Mika Gaming. Donc voilà, allez les voir si vous êtes fan de FIFA. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.